Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question encore un peu différente. Qu'est-ce qu'il faut choisir comme protection pour son store contre le vent ? Alors techniquement, il existe deux vraies solutions contre le vent pour votre store ban. Alors là, attention, je parle uniquement des stores motorisés parce qu'un store qui est manuel à manivelle, et ben la seule façon de le protéger contre le vent, ben c'est vous et d'aller courir vite le fermer si ben, du coup il y a une rafale de vent, s'il y a une tempête qui arrive, comme ça peut arriver parfois, surtout par chez nous. Alors nous, on est dans le sud, donc forcément, on connaît bien ces petites rafales de vent. Le Mistral, Tramontagne aussi, qui de temps en temps arrive comme ça, d'un coup, alors qu'il fait super beau. Donc très important, il faut protéger votre store. Le vent, c'est le pire ennemi de votre store. Pourquoi ? Bah parce que du coup, c'est pas fait pour ça du tout. Ça, il faut vraiment comprendre. Et avant de l'acheter, je crois que j'en ai parlé dans une précédente vidéo, il faut bien le prendre en compte. Le store n'aime pas le vent. Donc si vous êtes dans un couloir de vent, si vous avez vraiment une forte exposition au vent, je vous conseille fortement, si vous voulez un store, de prendre un store motorisé et on va voir pourquoi. Alors, comme j'ai dit, le store ban manuel, il faut vite courir pour le fermer s'il y avait un problème. Mais par contre, si vous êtes parti de chez vous et que vous avez oublié de le fermer, et bien là, catastrophe, vous risquez de retrouver votre store avec les bras complètement tordus, voire peut-être même arrachés parfois, c'est arrivé. On a des clients qui viennent chez nous pour réparer des stores, pour changer le store complètement s'il a été vraiment très très abîmé. Et c'est souvent dû à cause du vent. Donc, pourquoi je vous disais il faut un store motorisé ? C'est parce qu'on peut rajouter sur ces stores motorisés plusieurs choses. Le premier, c'est l'anémomètre. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup et depuis longtemps sur les motoris, pour les stores motorisés. Alors, un anémomètre, c'est quoi ? C'est comme une petite hélice qui va tourner en fonction de la vitesse du vent. Et donc, vous réglez la sensibilité, donc la vitesse du vent, à partir de laquelle vous souhaitez que votre store se referme tout seul. Donc, il y a une communication entre l'anémomètre et le moteur de votre store. Et suivant comment vous avez réglé, ben, on vient fermer automatiquement. Enfin, ils communiquent entre eux et ils décident de fermer le store si personne ne réagit. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est le capteur de vibration. Alors pour moi, c'est mon chouchou. Pourquoi ? Parce qu'il est très très facile à installer. Et puis surtout, il a une particularité. Alors comme l'anémomètre, vous pouvez régler la sensibilité, mais du coup, vous pouvez le tester tout de suite. Parce que l'anémomètre, il faut le faire tourner. Et pour vraiment le tester, il faut le faire quand il y a du vent ou alors il faut que vous souffliez. Mais en fonction de l'emplacement de l'anémomètre, ce n'est pas forcément évident. Donc le capteur de vibration, bah, vous le mettez tout de suite sur ce qu'on appelle votre barre de charge, la barre qui monte et qui descend. Et vous pouvez forcer, enfin bien bouger comme il faut, votre barre de charge. Et comme ça, vous le testez tout de suite. Et vous voyez, en fonction du vent qui pourrait y avoir, comment votre store pourrait réagir, vous voyez s'il rentre correctement. Donc le capteur de vibration, vraiment pour moi, c'est la meilleure solution pour protéger votre store du vent. Après, il y a d'autres solutions que vous pouvez utiliser si vous avez un moteur connecté, donc le régler avec votre smartphone, pouvoir le fermer si vous partez. Mais l'avantage du capteur de vibration, c'est que vraiment, ça le rend autonome. Par contre, la seule contrainte, c'est qu'il ne fait que la vibration, alors que sur un anémomètre, vous pouvez avoir le capteur de pluie, le capteur de vent donc, et le capteur de soleil. Donc le faire ouvrir dès qu'il y a du soleil, fermer quand il y a trop de vent et le fermer s'il y a de la pluie. Ou l'ouvrir pour ceux qui ont une toile étanche, par exemple, mais à condition qu'il n'y ait pas de vent. Donc les trois peuvent communiquer entre eux sur un anémomètre vraiment complet qui regroupe ces trois possibilités. Donc vous l'avez compris, attention, le vent, pire ennemi de votre store, il faut absolument trouver une solution. Alors certains attachent la barre de charge au sol, c'est une solution, un petit peu archaïque, mais c'est une solution. Par contre, c'est bien pour un store qui est manuel. Par contre, si vous l'attachez et que vous avez un store motorisé et que vous oubliez de détacher les petites cordelettes ou les câbles sur votre store qui maintiennent en fin de compte la barre de charge pour éviter que le store ne monte trop, attention, ça peut être aussi catastrophe. Donc voilà, faites très attention, vraiment, meilleure solution, vous êtes dans une région où il y a du vent, prenez un store motorisé, sans fil, connecté, encore mieux, et connecté à un capteur de vibration. Comme ça, là, vraiment, vous êtes tranquille. Dès que le vent est un peu trop fort, hop, votre store rentre. Que vous soyez chez vous ou pas, ou vous ayez oublié de fermer votre store, au moins vous êtes serein, vous êtes tranquille, il n'arrivera pas de catastrophe. Bon, bien évidemment, vérifiez toujours que les piles du capteur de vibration fonctionnent, mais ça, chaque début de saison, vous revérifiez et moins vous êtes sûr que tout fonctionne correctement.
Voilà, donc j'espère que vous aurez compris. Faites très attention, encore une fois, j'insiste, mais le vent pour le store, c'est pas bon. Donc, il faut trouver des solutions. Et la solution la plus simple, je peux dire, c'est ce capteur de vibration ou l'anémomètre, qui est une très bonne alternative. Mais par contre, l'anémomètre, attention, il faut savoir le placer correctement. Suivant l'emplacement de l'anémomètre, on peut avoir des résultats assez moyens, c'est-à-dire que si vous ne le mettez pas au bon endroit, donc ça, laissez-le poser par un professionnel, c'est vraiment ce que je vous conseille. Et si vous ne voulez pas, et que vous n'êtes pas un professionnel, orientez-vous sur le capteur de vibration, je vous dis vraiment, ça sera beaucoup plus simple. Mais l'anémomètre, lui, il peut capter le soleil, la pluie et le vent pour certains modèles. Donc forcément, si vous choisissez cette option, faites-le installer par un professionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à vous orienter sur le bon modèle de store que vous allez choisir et surtout la bonne motorisation avec ces accessoires. À très vite pour une prochaine vidéo et on essaiera pareil de répondre à une question qui revient souvent. Merci, à bientôt.